Chers amis, bonjour et bonsoir. Ça dépend l'heure où vous captez mes salutations. Le lot aux abonnés spécialement, la conférence de presse, il y a Hans Luzolo. Hans Luzolo, le lot, à premier temps, comme vous le savez tous, les 13, normalement, tous en a rendez-vous. Na Hans Luzolo. Mais, plaisir, les amis, parce que tous en a quand même. Na Hans Luzolo. Tous en a qui, na conférence de presse. Mais avant tout, Hans Luzolo, comment tu te portes? N'est-ce pas santé? Ouais, santé, très bien. Jour du monde, hein? Dans quelques jours, ah ouais. Toujours en fin de salle. Donc, il y a aussi un bahou tes athées. Donc, lobby vendredi, samedi, motepeli. Motepeli. Il m'a déjà se sentir négligé. Est-ce que vous êtes quand même stressé ou vous sentir négligé? Nous allons toujours comme ça. Nous allons toujours dans le stress. Après stress, je me suis en carré. Mais nous avons vraiment moins stress. C'est bien. Avec stress, nous allons matin, nous allons avoir un bon sac. Donc, c'est un peu ça. Oui, les collègues, passage dans la TV5, bon, jamais dans le robot salon, même si tu posais la question dans la conférence. Passage dans la TV5, moi, pour moi, je m'entendais peut-être moi français. Pété, grillotage, écoute, écoute, mais. Et puis, mais français normal. Est-ce que c'est vrai? Puis, tout ça, la barrière en français, tout. Et moi, bah, ventir. On va un peu moins sérieux. Bah, tout faut bah, parce que, na solo la gibongo, parce que ma boke à Congo était qu'à image mon négatif. Bah, tu vas jouer à Bissou, Babourik, bah, tu vas t'engater, bah, tu vas me rambouer, belé. Je voulais quand même défendre cette entité au Nazali, bon, en faire partir. Nan. On a défendu Pemboka, parce que voilà, on a l'équipe n'a pas Congo, hein, papa. Soura et Kouya qui m'a banado. Pays de soif, surtout. Là, on a bombing, on avait pays de soif. Bombing, vilo, belé, na plateau, na moto, na zone, na bifaye, na étalé soif, on y a son boke. Vidéo à les hommes, mais na ken na monde entier, na bombion. Congo, tu fous pas foutre en bon. Pas de dommage, en avant, na TV5 monde, bah tu n'as pas soif. Na lobby, théo, ni nesti, n'a pas le bon. Congo fait foutre en a. Na bombi, bosso tamboka. Yo yébi, les lopes ne savent pas vidéo ébim. Mais, soit continuer, non, les canaux TF1 dans le bon. La TF1, bon, tu osais quand même la TF1. Mais parle-nous un peu, tout moni, Mama Gabi, Tumba Tumba. Ah, comment ça me l'a pour naïve? Le roi de Kamusinga Fonabi, il y a un peu à Tumbara Tumbara, mais il a fait vraiment sa prière pour naïve. C'est une sœur que j'aime beaucoup. Batoubamon, on a la bakali, Totumbola, Gabriel, Bahé Bate, si nous avons tumbolé, nous avons cessé, on a un bon belé surprise. Alors, si vous avez bien, il y a un an, il passe. Arabe, temps, carré. 3 ans. Monsieur, vous avez la liste, apparemment, vous avez combien de personnes dans votre vie? Normalement, vous avez un nombre de 9. 9. Mais bon, tu es habité au Rare et Simba, après c'est bon. Pour l'instant, Azara, il y a visa. Pour l'instant, il y en a un nouveau, il y a un peu de l'eau. Donc, si tu as un peu de l'eau, peut-être que tu as un peu de l'eau. Tu es déjà surprise. À part que tu as un peu de l'eau, tu as un peu de l'eau, tu as un peu de l'eau. Ah, directeur, il y a un mouvement. Patrick Ngambe. Ah, na secrétaire, il y a un peu de assistante, il y a un peu. Donc, on attend. 3 ans, et lobby, si mon clé batte bien, il fallait d'appeler sa rare à ma visa, 5 ans, 3 ans, mais à ce que vous levez, à vous pèse 3 ans, 5 ans. Non, je vais arrêter, pardon. Ce sera ma menace. Ma 5 ans, mon dieu, parce que monsieur tout le monde en est dit, mon dieu, ou toi, quand même, ma pèse qui est 10 jours, quelques jours, à respecter. Il y a la bâtiment, vous trouvez à l'eau, et puis ma soeur, 10 jours, à bêter, tu sais, je on s'en demande déjà, ils ont demandé à n'est-ce pas salé la rango, ton n'est-ce pas pour ce que tu dis. On a l'obatté pour ma douane de bien crédibilité. Ah voilà. Donc, il n'y a pas de main noire, ils ont un mot. Crédibilité, on a ou donné main blé. Main blé. Je ne sais pas si tu es dans la conférence de presse, mais tout le monde est absent. Ça dire que tu es dans le théâtre. Je suis dans la banzilla. Je suis dans la duchesse, dans 2 minutes, dans la banzilla, malheureusement. Malheureusement, dans le comité. Donc, voilà. Ça fait plaisir, il fait plaisir au monde. On a besoin de faire des bandes qui sont en plein Paris 10e. Vraiment, Anelka, il faut toujours croire en toi. Tu es bagué, Moussalo, tu es salubé, tu es sur place, tu es au Kindel. Tu es comme si tu es en Zambé. Surtout le spectacle, ils allaient en français. En français, papa. Ouais, le français, tu as fait un Nandak. Azela, ma bougengale. Encore toi, merci. Donc, rendez-vous bon le samedi, le 13. À 20h. 22h spectacle ici. 22h spectacle ici. Voilà. Au moment où il y a une sécurité, papa, tu as une mission, il faut passer par l'équipe. Il faut passer par l'équipe. Il y a un moment où il y a une sécurité. L'équipe m'attend. Voilà, vraiment, j'ai dit merci à toutes ces personnes. Et puis, j'ai dit merci à une dame. Elle a été toujours là avec moi, Francine Nitu. Il y a un manager Nangaï. Natiens jazz, na suka pour moi la moisi. Donc elle a été là toujours pour moi, grand garçon. Il y a un ramani ça. Donc Denis Bidens, PDG partout où je suis, il est. Oui, on a combien de français? PDG partout où je suis, lui il est là.
Donc vraiment je lui dis merci, j'ai dit merci na yo pe kutu zanga te na mamna. Si na ki na ya liboso na kitambo. Non, na na somba na table. Na chombe. Donc vraiment je vous dis merci. Merci à toi. En tout cas ça fait plaisir frère Azo Matabo. Faut pe ça rend toujours force. Et ça la bisu mo bien nga na obe na za témoignage mo beteli solo. Tu bandango na kitambo, tu kedango showbiz de te vivre sur Paris 10e. Bon sentiment ya moi. Là niveau donc nzamba ku mamara. Allez, encore une fois, un grand merci. Merci beaucoup à Nayo, à Nelka, merci à l'ambassadeur. Azaka, rato, alors. Azaka, ambassadeur. Ado, oui, mon ami. Il y a 8 places pour toi. Je suis il y a toujours ma ramenée, c'est comme ça, c'est bon. N'appelez-y, merci. Na onyo, ça, ça, là, pour nous. Aébi. Merci beaucoup. Encore une fois, un grand merci. Vous êtes belé, beau talabiso. Restez branchés. C'est samedi, le rendez-vous se donne, c'est samedi, na Paris 10e, à la Sirbino, dans ce bout à la Bissou, oui, Maramonde Kindi. Encore une fois, un grand merci à Yannick Kini, à Rombox, acteur à film, Yannick Kini, à Nalila Ondengeni, Yannick Kini, acteur à film, gang à film, millionnaire, Nandenga Mouquet, un grand merci Yannick Kini, Dédé Samba, pas trop bogos, Dédé Samba, pas trop bogos, un grand merci. Bon, t'aimes bien le bout à la Bissou, restez branchés, t'as toujours, on a pour nous appeler ça, une information, actualité, exclusivité, comme vous le savez, Narbo Salandeni, Guy Basket, Youndena, Lelandengeni, Fisto Manissa, Yaya, donc, déjà, Narbo Salandeni, un grand merci. À toi pour la soutien, ça l'a fait tellement bien. Vous êtes tellement bien, restez branchés en tout cas. Nyonso et qui n'est bien, Nyonso et qui n'est bien, tout ça la maramora, n'est un grand merci surtout à Binotu Botalabiso. Vous savez, Cédric Mabeka, Ravi Magouche, un grand merci, Marquis Kitengi, Simpson et Célé, un grand merci à toi. Restez branchés parce que ce n'est pas un bazon qui te coûte un bon prochainement. Bye bye. Bonjour. Bonjour. Nous remercions pour l'intérêt que vous portez à ce projet au nom de Franco THC CWM à production. Nous vous remercions d'avoir tenu Mordicus à être le nôtre. C'est vrai qu'on attendait grand monde en termes de représentation avec les journalistes. C'est vrai que les embouteillages, pas du tout facile. Mais merci à ceux qui ont, à ceux qui sont présents. Eh bien, ce grand événement qui est prévu pour ce 13 juillet 2024, je tiens à le confirmer encore et encore que l'événement aura bel et bien lieu. Eh bien, il s'agit de M. Grignotage Anse Louzolo, qui est originaire du pays de la soif. Eh bien, beaucoup ont reposté son interview où il a été accueilli sur les JT de TV5 Monde. L'artiste a pu partager, c'est aussi une sorte de forme de célébration de plusieurs années de travail d'arrache-pied et plusieurs nombres d'années en termes de carrière. Eh bien, Anse Louzolo est de l'autre, et qui est à ma droite. Et nous avons M. James qui représente la production WMA qui est de l'autre aussi et qui aura son mot. Et bien sûr, c'est la grande délégation de la République démocratique du Congo. Plusieurs, pendant ce période de vacances, ont élu Mordicus à être là, moi-même personnellement. Il y a l'artiste Yorobo Soa qui est de l'autre, qui fera son, comme on l'appellerait, une sorte de première partie pour ce grand événement. Et c'est le grand retour de la culture congolaise. Et nous tenons aussi à rendre hommage à d'autres artistes qui l'ont fait bien avant. Ça a pu donner ce goût et qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo se repositionne autrement en ce qui concerne l'humour de la RDC et bien sûr pour d'autres horizons. Eh bien, moi, Jonathan Bilary, je ne veux pas monopoliser la parole. Je passerai d'abord la parole en premier à M. James qui représente la production WMA. Merci, monsieur, d'être là et merci de nous dire comment on doit s'y prendre déjà pour ce samedi 13 juillet. Bonjour, bonjour. On est là, je représente la société WMA. On accompagne M. Anse Louzolo sur sa carrière. Et ça commence ce samedi au théâtre du gymnase. Donc on a tout en place pour que ça se passe bien. Donc M. Grignotage, on va tout faire pour le suivre pendant sa carrière. C'est un début, donc il faut que ça se passe bien. Mais bien avant quand même de passer la parole à Anse Louzolo, c'est vrai que c'est tendancieux ces temps-ci, on parle sold out. Est-ce qu'on a encore cette petite espérance d'avoir son billet bien avant l'événement ou tout est déjà clos? On peut passer à autre chose. Tout est déjà clos, je pense. Hein. Ouais. Tout est déjà clos. La soldate. Très bien. On peut lire l'émotion dans les parlers de Jeff. C'est bien, c'est un soldate. Et pour ceux qui tomberont malades dans les leurs billets, n'hésitez pas à les passer à quelqu'un qui viendra à votre place. Anse Louzolo, messieurs Grignotage et de nôtre, eh bien on vous confirme qu'au théâtre du gymnase Marie-Belle, le 13 juillet, c'est le grand rendez-vous. Et surtout, pour plusieurs, ça sera le comeback.
Mais une petite touche en plus, c'est vrai que l'artiste récemment, pour le compte de l'année 2023, a eu à donner ce beau spectacle dans la salle Chauveuse. Il y aura un petit rajout, mais Hans Pouzolo, on parlera mieux que peut-être Médir. Hans Pouzolo, bravo déjà. Et on attend tous ce samedi. On peut le sentir, vous avez dit, un tout petit peu stressé, mais je sais, je suis convaincu que vous laisserez vos empreintes et que votre nom ne restera jamais gravé, marqué dans les annales, même après le séculaire, on s'en rappellera. Hans Pouzolo. Je m'attends. Comme j'avais dit hier, avec vos confrères de TV5, ça a été toujours le cas avec moi. Je suis toujours stressé avant de monter sur scène, mais après, j'ai fait toujours de mon mieux. Donc, je pense que ça va aller, ça ira très bien parce que j'y connais ce que je fais. Ça fait beaucoup des années que j'y suis dedans. Mais comme James vient de dire, ça, c'est une nouvelle étape qu'on vient à franchir. Donc, comme mon producteur il dit toujours, c'est un artiste en développement. Donc, on veut dire, toutes les années que je fais, donc on le complie. Donc, ça, c'est un nouveau départ. Donc, voilà, c'est un peu ça. Hans Pouzolo, artiste en développement, c'est vrai, quelle humilité, parce que l'artiste a déjà plus de 20 ans de carrière, et le reconnaître ainsi, et changer les horizons, et planter ce nouveau départ, ça prouve à ce moment que l'artiste a non seulement beaucoup à apprendre, mais surtout beaucoup à donner. Merci Hans Pouzolo pour ce mot. Eh bien, Yoro Boswa qui sera aussi de la partie pour le 13 juillet au théâtre du gymnase Maribel, Yoro Boswa, merci d'être de notre, et bienvenue. Ouais, salut, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Depuis qu'on a commencé ici, je vais en parler en français, mais apparemment, tout ce qui nous suit, il y a des Congolais aussi. Et puis, je pense que nous, quand on a poussé ça, vraiment bien. Donc, n'apprécie la bande de connus, on va Congolais, on va à Bazan à Paris. Donc, rendez-vous est assez moko, Moutazangate. Donc, pour y'a bibi no moko, que m'aï naza, artiste à tendance nyoso. Donc, pour y'a qu'on vive le spectacle. En plus, ils ont eu là, après Paris, la défense, bah, trois arènes, sur les 13 ans, et pas de Konanga. Ma surprise, au monde, on a évité. Mais pour y'a qu'on y'a pena. Et puis, tout, mais qu'on respecte moi, R, pena, n'est-ce pas là, tout y'a pena, soit même avant. Donc, tout ça là, tout raté à taille côté, mais bandeli, tina souka, parce que. Il y a du lourd, et très très lourd. Mais tout ça, on a pour Nayango, donc je suis venu spécialement de Kinshasa pour soutenir mon frère Hans Pouzolo. Pour Nayango, on a deux projets, on a eu. Ils allaient à Robert dans le festival Couleur Café, et puis spectacle à Hans, et puis il y a aussi un clip à Paris, un artiste international, où on a ça avec Nabango, ma featuring depuis décembre à dépasser. Donc, raison pour laquelle nous avons un cas à Paris. Alors, bande connions sur Balinaka, comédie, ma boke yambo kanabiso, Balinaka acteur yambo kanabiso, ou Balinaka culture yambo kanabiso, tous dans la loco là bas malien, tous dans la loco là bas ivoirien. Et loco on a bâti car on a sangoké, bas congolais, malgré bas paye bas qui n'a pas mais bas bouka qui n'a le loco on a bas on moko. Donc, mignon l'obéité. Qui vivra verra. Qui vivra verra, eh bien. Il est important de passer et de faire large écho par rapport à cet événement. Donc, Yoro Boswa et Kozala. Hans Pouzolo sera sur la scène. Eh bien, on va commencer à 20h. C'est important de préciser par rapport à l'heure. Donc, il n'y aura pas 2 minutes de rajout de plus. C'est 20h. 2 bonnes heures des spectacles. Eh bien, on vous convie à prendre place tôt. C'est vrai que vous n'allez pas vous ennuyer. C'est vrai qu'il y a des questions qui vont se poser par rapport aux autres artistes qui seront conviés à cet événement. Bozomo là sur le réseau, Nenge en Suzolo. Il ne se lasse pas à Yabubunda. Donc il espère avoir sur la scène avec lui, vu Gaou, on a vu Coco Bilali et les autres. Donc on croise le doigt, rien n'est perdu. Jusque-là, rien n'est perdu. Donc tout peut se jouer. D'ici ce 24 heures. Et déjà Gabriel qui sera déjà dès demain ici à Paris. Et donc bien d'autres surprises. Manugo, Papa Dissango, à vous la parole. Vous avez des questions à poser. Sold out, oui. Et c'est pourquoi on a tous applaudi. Voilà. Nous vous écoutons. Bonjour, Ponce Bakali. Président Hans Pouzolo, félicitations tout d'abord pour la sold out au salut. Non, 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 non
pour votre sold out en cours. Tout ce qui est Georgie Model, des jours en espérant, tout ça sold out. Après 20 ans de carrière Nayo, plus de 20 ans, ma carrière Nayo, où l'équipe TV5 monte. Impressionnant par rapport à passage voilà, parce que vous êtes premier artiste et humoriste et en Congo, RDC. On est la chaîne internationale et on est Bongo et puis la Santaki Éloquence, peuple congolais tous dans l'ensemble de la Santaki en haut. Impressionnant en tant qu'artiste et amis. Deuxième question, sur une avoir chez les Maramoko. Les autres moni aux prestés dans le théâtre des gymnastes et à Paris, même date n'a fallu, le 13 juillet. Date souana, et ça date au Yomoko, au Proposaki, où la date a été proposée par les producteurs. Et pour qu'elle a suivi ça, les lots événements aux Osala, et ça événement Yamonene. À part Yagabi, d'autres artistes, pour citer qui celle-là, au Baouta Kitchasa Baouya, au Pensé, dans ma collègue, dans au Bazana Potote, au Osala, même métier là-bas. Merci. Merci beaucoup, Prince Bakali. Déjà, merci d'être venu. Collègue à la TV5, Bakali, déjà, je vais te dire un truc. Dans le banal, le roman plutôt. Si on a le bagu qui est là, vous rêvez même, il y a un mot dans aussi. Vous savez, en tant que jeune Congolais, grandi à Kinshasa, quand on a commencé, on n'avait même pas l'idée qu'un jour, tu reprends dans la plateau à Ménénia. C'est pour cela, dans la vie, on dit toujours, il faut croire en toi. C'était très important. On a vraiment la pensée comme musique, même au visage juste la débit, mais ça qui est le roman, ça qui satisfait l'obinalité de 3 heures parce qu'il y avait des appels de partout. J'ai reçu des appels, même des autorités de chez moi, donc c'était un grand plaisir. Et au monde, parce que dans le monde, petit à petit, là déjà pour une petite histoire, période à Covid, TV5 a posté là. Quand on a sali une vidéo, on a dans l'obinalement en quarantaine. La façon dont j'avais expliqué. Donc, le fait que des Bouba, des Maes, toutes les stars du monde m'avaient posté, et TV5 m'avait aussi posté. Mais d'être sur leur plateau, c'est un grand plaisir pour moi. Donc, je dirais même pas que c'était un rêve. Donc, au-delà même de mes rêves. Donc, vraiment, c'est un énorme plaisir. Et pour la date du 13, j'allais dire ceci. Moi, la date, moi et la maison de production, on avait choisi la date avant tout le spectacle Nyon Sobomoni Napoto. Que ce soit les spectacles avec nos frères humoristes, que ce soit les spectacles de la musique. Quand je parle de Fali, Bafir et Bamounion, ils ont mis la date juste après moi. Parce que la date na tchango, avant, j'ai été surpris dans Monica Bou, Fali Bouba, le 13 juillet. Bon, heureusement, Yazaïn à Bordeaux, moi je suis à Paris. Même si Yazaïn à Paris, donc. Ils avaient toujours bon batuna batu bazapé na batuna bon balinda. Certes, je sais que lui il a un grand nombre de warriors, mais moi aussi j'ai des gens au balinda. Ils mourront dans ça parce que tout le monde a qu'un d'autant la musique. Mais par contre, nous dans la comédie, on réunit toutes les couches, des chrétiens, des païens, tout ça, tout ça. Avantage de l'habitude en Rwanda, mais tant que j'ai date nana, j'étais le premier au tchango après les autres dates et juste derrière. Et pour les artistes qui habitent ici, effectivement. Donc, déjà, Bakali, la philosophie, nana, je ne voulais pas mettre les artistes dans mon affiche. Parce que, Batuarolo Bake, Atsala Kelokoana, Atondisa Kelokoana, parce que, Abenga Kentel. Vous avez vu, il y avait eu des spectacles, Salamé, il y avait beaucoup de monde. Moi, j'avais dit, je partirai en tant qu'artiste en solo. Parce que moi, je fais plus de théâtre comme on faisait avant. Maintenant, je travaille comme un humoriste. Donc, voilà, je voulais aller seul. Mais. C'est toujours important de ramener, comme il y aura le public congolais qui est précieux pour nous, qui seront là, nous voulons quand même lui faire revivre les bons moments qu'on a passés ensemble avec des amis. Il y aura pas mal de mes amis. C'est des surprises que je ne voulais pas les dire avant, mais il y aura des artistes comédiens qui vont m'accompagner pour peut-être 5 à 10 minutes. Parce que, mais au moins les gens, surprise c'est ça, mais j'essaierai moi sur scène. Les gens viendront me voir. Donc voilà. Merci. Bonjour, Zoulou. Bonjour, Anel Kawafosse. Première question, déjà, j'allais commencer à vous féliciter. J'allais commencer à vous féliciter par rapport à Union Stone Organisation. Déjà, pour commencer, qui est derrière un sous Zoulou? Pourquoi je dis ça? Monsieur va parisien, tout le monde a un métro, nous sommes un métro. Qui est derrière un sous Zoulou? Pour l'apparemment, je suis salarié. Et puis, deuxième question, tout le monde a fait le même. Bon, c'est vrai, il y a eu des dates avant, mais il y a quand même des frères, ma collègue, ma humoriste, dans tous les cas.
comme un phénomène spectacle sur les cas en français. Ouais. Ces jours-là, spectacle les en français, tous les en l'amener. Ouais. Voilà, mes questions. Merci beaucoup, Anel Kabafosset. Déjà, il faut savoir que dans mes pages, dans mes réseaux sociaux, je suis suivi, pas que chez des Congolais, il y a des Camerounais, il y a des Ivoiriens. Il y a... Déjà, moi, mes spectacles, les gens qui ont l'habitude, il y a Olamama qui ont l'habitude de venir là où je fais mes spectacles, je le fais 100% en français. Dans mes spectacles, les gens, au moins, les gens sachent qu'ils allaient en français 100%. Donc, mais, je parle de moi. Mais l'aime sous Igor Deminetz, Dishababou, Aoussala et l'aime sous Nalingala, tu vois. Mais moi, mes spectacles, c'est toujours en français, je le fais en français pour permettre quand même le spectacle en état à la mana, les gens au Vaza Congolais. Pour la première question, Nayo, qui est derrière moi, James Azalana, la maison WM, ma production, c'est eux qui sont derrière. Je vous dis, je suis, comme ils ont dit, je suis l'artiste en développement. Cette maison, donc je fais tout la cima, il y a maison de production, parce que c'est pas moi, c'est eux qui sont derrière. En fait, c'est eux qui organisent tout. Moi, je viens, c'est ce que je cherchais depuis longtemps, que je viens en tant qu'artiste. Et non, en même temps, je suis au four et au moulin, moi-même dans la production, moi maintenant c'est fini. Maintenant, on s'y vient en tant qu'artiste. Le reste, c'est la maison de production qui s'en occupe. Donc voilà, c'est un peu ça. Très bien. Une autre question ? Oui. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Daphne Mombele, Congo Gléco. D'abord, félicitations d'abord. Merci. Un passage dans la TV5. Montre en plus. Dans la été dans un voyage, dès que nous quittons la télé, on a passé. Et puis, bah, on dit, waouh. Mon combatine à niveau haut. Comment un comédien ou bien comment un mutamapo qui n'est pas bien là, où il y a un plateau, hein, donc plateau, monsieur, il y a encore un politicien, il y a encore un musicien, ma famille, ma féri, ma papa, ma personne, ma koufi, ma nani. Qu'on signe plateau, hein, et ça qui est par rapport que, ou t'es caillé longi na yo, n'est-ce que t'es caillé longi de zoba téléphone et zola la télé, ou bien au signe, on connaît finement et signe, papa, et ce ma grand sou. Merci, ma wan, ou on est à la chaîne à l'idée, des alors plateau, m'idée. Deuxièmement, est-ce que. Deuxièmement, est-ce que vous avez besoin de soutien, de l'ambassade à Congo pour l'événement de l'étresse? Merci, David Mombele. Donc, Jonathan, première question, c'est à la qui. Est-ce que tu as remis tes cas ou soit c'est parce que tu attends à voir grand monde un peu. Ouais, c'était aussi important, c'était des stratégies, Isaac. À la dernière minute, on savait qu'il y a 2 ou 3 jours à spectacle, il fallait na, ça, le passage dans la Gouna. Je t'apprends, en dehors, il y a TV5 Monde, je suis sur le Trace Africa, tu vois, partout, bah, on va diffuser le sport, on a invité. Donc, il y a stratégie à marketing et la maison de production, mais c'est aussi une très belle occasion, une très belle opportunité pour moi en tant qu'artiste. Dans ma CEO Moussousso Baebingate, ils m'ont découvert, ma épée qu'artiste est mort au grand studio là, en appel des soifs. Donc c'était, dans le rôle de l'homme, il y a mon nez pour Nama. Tout y a qui pour tout ça, promotion, spectacle, en même temps, était qui n'a eu mon repé. Et deuxième question, Nézala qui. Est-ce que vous avez besoin de soutien ambassade à la République démocratique du Congo pour le spectacle? Mais bien sûr, je t'apprends, je t'ai dit aujourd'hui, nous avons mis les Grécomènes, en dehors de la maison de production, nous avons tout le monde à soutenir depuis le Salamarambo. J'ai fait des déplacements, Kinshasa, Congo, tout ce que vous voyez, au Moutakoti, même ambassade à Salibo, à Zongibo, et en tout le monde, je t'ai dit, il y avait un grand nombre de Batoubakoti en ambassade, par personne, c'est 90 euros. En dehors de ma maison de production, là c'était moi je les avais proposés, peut-être mais on a toujours besoin d'avoir même sous-payeur soutenir parce que c'est très important. Sauf qu'ambassade, parce que ça c'est vendre la culture congolaise. C'est très important que notre ambassade va soutenir là-bas, parce que c'est ça la mamie, tu vois. Mais je t'apprends. Aujourd'hui, nous avons soutien à tout le monde. Donc voilà, j'ai aucun soutien. Je me bats avec mes propres efforts et ma maison de production. Voilà. Très bien. Une autre question derrière?
Bonjour Président, bonjour le bon lecteur, bonjour le rebond, bonjour à tout le monde. Et le concept comme Revolution News, je voulais d'abord poser la question à la production, parce que je viens du Congo. Pour moi c'est très spécial de voir le parcours de Hans et l'arrivée de l'OBD. Pour moi c'est waouh, extraordinaire. Mais vous êtes des Congolais, vous êtes une maison de production internationale et on aimerait bien aussi savoir les intérêts qui vous portez vis-à-vis de la culture théâtrale congolaise. Est-ce que vous avez des organisations pour essayer d'aider la jeunesse là-bas? On aimerait bien savoir un tout petit peu sur vous. Si vous pouvez vous introduire un tout petit peu par évidence, ça me fera énormément bien. On peut travailler avec n'importe quel artiste, mais on a un peu suivi le développement de Banzo Congo. Et on a dit, bon, on va mettre le paquet pour l'aider dans sa carrière et voir jusqu'à ça, ça peut aller quoi. Donc c'est pas. Vous êtes qui d'ici ou vous êtes de partout? On peut savoir juste un petit peu sur vous aussi. On est basé en France, on est basé en France. On est basé en France. Il faut rallumer, je pense qu'il y a un problème de pile là. Ok, merci monsieur le producteur. Je demanderai à monsieur Kassouzo si vous vous rendez compte de ce qui est en train de se dessiner aujourd'hui derrière ce que vous avez comme carrière. On sait où est-ce que vous avez commencé, on voit où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Il y a d'énormes différences, si vous n'avez pas conscience de l'effort, moi je n'ai et je vous interpelle sur ça. Est-ce que vous avez l'idée sur ce que vous êtes en train de représenter aujourd'hui pour la jeunesse congolaise? Ouais, je dirais simplement, j'ai même pas d'idée quoi. J'ai même pas l'idée. Au moins, on est en train de fournir des efforts. On est dans nos débits. Donc, tout le monde a des bandes. Mais quand même, je sais que le signal est qui vraiment moussika. Les bandes de l'amour, tout le monde bien. Ça, c'est toujours important de commencer bien. Parce qu'on dit qu'il. Oui, bandara bien, soukarabé, malam. Donc, moi, personnellement, je suis content de moi et content de mon équipe de production. Ils sont en train de faire quelque chose d'énorme dans ma carrière. Et Naebi qui est tout, qui est sous musique. La difficulté du stand-up est très différente du théâtre classique qu'on faisait, vous voyez, au Congo. Non, c'est pas dangereux, parler comme ça peut-être, ça va rentrer. La difficulté du stand-up est très différente de celle que vous faisiez au Congo quand vous étiez avec le Lombé et le reste. Aujourd'hui, il va commencer à produire, c'est produire dans des spectacles, celle dans une salle. Il y aura beaucoup de gens qui vont venir voir. Mais Hans Nzolo, comment t'es arrivé là? Il y a quand même un parcours, il y a des gens qui vont regarder pour rêver la vie dans ta direction. Comment Hans a commencé? Est-ce que tu peux expliquer un tout petit peu aux gens qui vont regarder? Commencer des stand-up? Oui, les apprentissages, un peu de défaut. Juste un petit briefing. En fait, je dirais, moi, l'idée m'est venue quand je suis venu m'installer ici en Europe. Tu vois, nous sommes dans un pays où tout le monde est autonome. Hein, tu vois, on est, chacun de nous, il est dans ses occupations. Quand je suis arrivé, c'est difficile de réunir 10 artistes. Comme tu vois, aujourd'hui, on a conférence des presse, on devait être ici depuis 15h. 16h. 16h. Mais voilà le nombre que nous sommes. Il y a d'autres régions, ils ont leurs occupations. Moi, et c'est par là que je me suis dit, on est beaucoup des artistes comédiens qui sont ici, à Paris, en Europe en fait. Mais c'est difficile de réunir tout le monde. C'est par là que m'est venue l'idée de commencer à travailler toutes celles. J'ai pris vraiment le temps de travail, j'ai dit écoute, s'il y a des productions, j'ai préféré aller seul qu'aller avec les autres. C'est par là que tout est venu, j'ai commencé à travailler, à regarder aussi les autres, c'est aussi important. Et vous-même, quand vous êtes là, vous êtes passé par là, de temps à autre, je vous appelle pour un peu des stratégies. Et voilà, tout est commencé par là. Comme j'avais dit tout à l'heure, je suis dans mes débits, je suis en train toujours de travailler, je travaille, mais je fais des efforts et que tous mes spectacles ne soient pas même quoi. Donc j'essaie un peu d'évoluer, j'essaie un peu de créer d'autres histoires parce que moi je m'inspire de tout ce que je vois. Donc comme j'étais là-bas sur TV5, tout ce que je vis avec tout le monde, donc ces jours-là ce sera autre chose. Tout ce que les gens ont vu dans mes précédents spectacles, il n'y aura pas ça. Donc j'ai créé d'autres trucs, comme hier à Paris j'ai vu d'autres histoires, donc ça m'a encore inspiré. Donc avec les JO je pense que ça serait vraiment à long terme. Mais j'ai commencé à me mettre dans cette aventure, c'était par rapport, j'étais toute seule, difficile de rencontrer les autres, difficile de vous réunir. Donc c'est par là l'idée est venue, donc je me suis dit, bon écoute, j'ai travaillé comme un électron libre, je commence à faire mes trucs toute seule, écrire et travailler, et avec ma fille, c'est par là l'idée m'est venue, quoi, donc voilà. Moi je suis fier de toi personnellement. Merci beaucoup.
D'autres questions? Allez-y. Bonsoir. Des officiels. En ce qui nous sommes, félicitations d'abord. Question à vous, M. Zali. En ce qui nous sommes, tout le monde est qui la TV5. Tout le monde est sur le Ghana, dans un peu sans regard. Dans la salle de grâce, les locaux mis en place sur l'équipe. Question à vous, Zali. Pourquoi qu'on utilise terre maintenant pour vous? Il y a pays de soif. Parce que tout le monde est en question, vous avez un peu en difficulté et vous répondrez. Les deux ressources, pourquoi c'est un pays des richesses, tu peux être dans un pays des musiciens pour te créer sous son bourg à bien? Ok, non, j'ai une soif. Question de Mme Zali, est-ce que moi, notre fille, est-ce que vous en respectez? Merci. Merci beaucoup, Tédis. Pourquoi pays des soif? Ah, ce que vous avez dit, je suis là. On a toujours la TV5 image au Kenya, musique à mon anti. Nous m'envoyons des bimbo qui dans la soif macasse. Tout là, là jamais beau la mukasa que ah fils de manisa. Bah bimbo si le corona est beau, tout le monde bimbo. Donc c'est par là que nous avons inspiration. L'inspiration m'est venue par là par rapport à tout ce que nous voyons des vidéos, Kéi, Ezoni, tout ça c'était par là. Voilà. Mais au moins dit tant que toujours les capins ont la chaîne Missus où ils a. Parce que nous avons les gars de la TV5, nous avons engagé beaucoup à mon. Donc, je veux dire, si on a bêté le mot, on va dire, ah, mais puis, comme on a beau s'en aller, bah, tu as soif, bah, ça, la bonne en boucle. Mais, bah, beau s'en aller, bah, intellectuel, il peut basaler. Tant que l'on a la soif, bah, ça, ici, bah, tout, nous, on va dire, bah, on a soif. Donc, il y a un moment, mais, dans le dingue, ma bêté, réponse, non, on a pu ça qui est correct. Parce que moi-même, une fois avant, on a dit ça, à mon hôtel, à 5h, ma quelle est les bandits. Donc, vous avez vu que 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 vous. Donc, tu vois, donc, c'est par là. Donc, et si Kalipe Bongo, et comment Bongo, donc, RDC Bongo, les gens me payent des soifs. Donc, pour la fille, pour ma fille Prielle, donc, elle tirait avec moi sur scène. Donc, dès demain, alors, on a déjà, donc, les logos, tu as dit, moi, tu as dit dans la vidéo, comment va s'allier sous Kilito ou Makassi. Donc, lobby Prielle, on a Paris, on a répétition, tu as répété, parce que déjà, tu vas dans sa répétition, et sans midi, les gens. Je t'apprends déjà, par exemple, bon, mais ma bande en avant pouvait avoir au talaï. Alors, ça, la bande est belle et plaisir. Donc, on va avoir un abissou. Donc, voilà. Il n'y a plus de questions? Allez-y. Bonjour. Excusez-moi pour le voir. Ouais, pas de soucis. Ouais, je suis M. Manissa. Je voulais demander, Narance Luzon, premièrement, félicitations d'abord. Merci. Ça fait plaisir. Et au moins, André Gonaïo. À Mathieu le rôle escalier, ça fait plaisir. Premièrement, je voulais demander à Soulouzolo, parce que la Moni, aux un spectacle des Alobi, le spectacle des années 13, samedi, pardon. Est-ce que vous avez un bateau pour accompagner vous, pour vous dire que ça, c'est un spectacle de vous? Et puis, à Mibale, allô? Allô? Allô, et puis, à Mibale, je voulais savoir, pour la maman Vekao. Salissez la vidéo trop. Je vais travailler avec Chamo. Vega, on a la vidéo. Est-ce que Vega ou Aza déjà à Paris ou pas? Merci. Merci beaucoup. Et à Vanessa, merci. La reconnaissance. Au bel à Liboso, à l'objet. Est-ce qu'on a accompagné la vidéo? Si, 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 nous allons accompagner. Prévanez, nous t'aurons ça la première partie côté musique qui est au bazar. Déjà, à vous accompagner en dehors de ça, il y a des artistes comédiens ici, au bazar, il y a la loi à surprise. Et pour la question, Vega ou. Je pense que tout le monde a dit que le vieux Gaou, tant que vous avez vu la Kinshasa, madame, nous avons vu que nous avons vu tout passeport, tout, à côté de l'ambassade, hier, ils étaient aussi dans l'ambassade, donc Alexis, journée mon Bimbawana. Alors, on attend aujourd'hui et demain, la dernière jour, il y a suite d'abord, parce que
il faut ba koma soki ba koma na Paris les loto lobito samedi na tongo sous ba comité na na sali na bosa on a donné toute la maison de production a donné tous les documents nécessaires ba pesi ya Gabi 3 ans tout nos automoni les mêmes documents ba pesi ya Gabi visa c'est les mêmes documents oyo ba mopé bazaki na même procédure donc ceux qui ba mopé ça et comme ba mo ceux qui paye oh ne soit ça la maison avant mais moi j'avais fait une promesse na vie gao na ko bilal qu'il pleuve ou il neige cette année et au dégâté na ou utiliser ma force nous na un plaisir na ngezala ba mon na bon appart atay ezala na spectacle na ngate atay nini na lobaki amo je vais faire cet effort là moi je veux que ces gens là na vivant na bango ba au mon na Paris et ça la bon ta plaisir mon dit comment na mo ba merveille selon la ba tu ba souci. Je vous apprends, il y a Gabi, avant la vie en Zoya, mais elle est avant malade. A qui ambassade a bimé ambassade par la mort à qui hôpital. Donc, plaisir au Nazoya qui est mort, parce que Nathan a bien Nazoya là. Dans la commission de mais j'ai dit merci à la maison de production pour les efforts qu'ils ont fait. Dans le plus grand souci dans les Akè, dans le coup de la na scène, parce que l'eau que Moro te prépare qui n'a vu Gabi. L'hôpital, même si je suis en train de suivre, 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 je suis parce que je suis préparé à mon bilan au Mozaïa. Donc, je suis un chrétien, je crois que tout va aller. Le plus grand souci, c'est que je suis vraiment et bien dans le soutien à mon bilan, je suis en train de suivre, je suis. Donc, toujours pour engager ce qu'il y a. Merci. Très bien. D'autres questions? Moi, je voulais rajouter. D'autres questions? Oui, allez-y. Je voulais rajouter une chose en fait. Il nous reste max 15 minutes. Nagana Baksara, il y a quelque chose en fait. Dans mon avis, au vidéo, comme tu as sur la visa, en profiter. C'est comme s'il y avait tellement de personnes qui te demandaient pour avoir visa. Sauf que ce qui est des analyses lignes en fait. Parce que dans mon avis, il y a recevoir plus de 100 ou 1000 appels. Yopo, mais bon, pour je ne sais pas, expliquer ce problème des analyses. Merci beaucoup, Anelka. Pour que malheureusement téléphone dans réseau ça la live pour nous battre mais bah comme on a comment on reçoit 1000 messages j'ai reçu plus de 1000 messages je vous dis c'est la toute première fois dans mon adresse email là plein messenger plein parce que WhatsApp mon a tiens dans réseau social dans réseau WhatsApp numéro qui tient ça plein de messages après visa ya Gabi tout le monde n'a pas fan et mes connaissances on a eu du bah comment bien dans le téléphone n'a pas de quand même n'a pas toi ma belle fan. Zulama visa. Je vous apprends, moi, j'ai été acquisé dans Kinshasa. Dans le bel élo, je suis allé à la maison. Mais je n'ai jamais fait ça. Je suis allé à 1 euro à mon terme. Moi, j'ai ramené ma mère dans Poto quand on est tout seul. À bonne et difforme. À 5 visa, il faut 65 euros. Mais ils ont créé des histoires pour nous pour créer les nuits. Je profite de la maison de la maison partout dans le monde entier. Je n'ai jamais été babé na bon banani ba aneka comment la banani ba to ba 400 ba checker na tistika la jamais mo za checker et na za jamais na agence mutu nyo so za na besoin mon ka poto na à travers conférence de presse na lo ba clair oza na besoin ba mon na poto ki ndé na ambassade to ki ndé na serve na na mima ba to na poto te c'est ça la raison na ça qui vidéo parce que je vous dis na ba responsable na ba papa ba na ba na ba na poto tout ko ba na Belgique France Allemagne. Je vous dis la vérité, Angleterre, Naba Maroc, tout le monde, papa, Nazala Pomo Nama, 5000 Nangaza, pour un euro aux Ugandais, moi, Nana Visa, non. Je les avais expliqué que Yagabi aïe parce qu'il y a des artistes. Moi, Nana Vino Bolo, Bana, Nana Vazava, artiste été. Vous comprenez, dans la salle qui ont, parce que, au moins, il y a une salle qui ont jeté des gènes, parce que c'était des trous. Et surtout, quand mes proches commençaient à m'appeler, bah, tout le monde, dans la famille, Nana Vino. On a pensé que tout le monde s'est dit, mais on a un artiste, on a un visa à côté de la théâtre. Donc, il y a un autre monde, on a besoin de visa à la ministre qui est à la théâtre. N'est-ce pas, bien sûr. Bon, il nous reste encore, je pense, 14 minutes. On va prendre d'autres questions. Allez-y, n'hésitez pas. Le micro pose problème, si vous pouvez faire porter votre voix. Ah, ça pose problème. Faites porter la voix, on vous écoute. Mais le micro, ça coule ou ça reprend? Ok, on peut utiliser en ping-pong. Ouais, viens, merci. Viens, je peux m'approcher. Ouais, pas de soucis.
Bonjour tout le monde, bonjour Ansou Zolo. D'abord, je vous félicite. En tout cas, va encore de l'avant, allez de l'avant. Moi, c'est Claudie Jasuka, la mère de la presse, Madame Bellinga. J'ai deux petites questions. Et la première était celle de savoir à propos de votre date, du 13 juillet. En ce qui concerne cette date, tout le monde est artiste, sauf Ali, pour payer Plazo Beta à Bordeaux. Et par rapport à Wana Salio Koba Maté, je ne sais pas. Est-ce que date n'a eu été fixée avant et artiste Fanny Poupa, moi petit, moi détail voilà. Et puis tant qu'artiste, on monte qu'on divise date voilà. Parce que les Bordeaux pas soutenir Fanny, bah il y a ceux qui grignotent là ensemble dans la comédie. Je sais pas ce qui vous a quelque chose à nous dire. Et ensuite, tout le monde y a robot. Pourquoi je suis à robot là devant? Merci. Merci, c'est des questions qui ont été posées par les... Déjà les arabes, il n'y a pas de problème. Ah, alors. Ouais, déjà, pour la famille, pour pas battre Balébi, qui je l'aime beaucoup, à Pessan, à Péba Force et Bélé, à la tchède d'Atavaï. Donc, il y a eu Ucha après Maï. Non. Ndetoza Boui, Ezala, Kofi Olomide, Ezala, Ferigola, Ezala Fali, Poupa, Ezala, Gabriel, Moutouna, Tazan, à la fanatique. Donc, il veut dire que moi, je compte à mes fanatiques, au Balinga, au Tala, Mission, à ma bouquet, donc, Mazo, compte à ma. Donc voilà, deuxième question, c'est qui choix de Yorobot. Yorobot, en dehors de tout, je pense que c'est à Olobapé. En dehors de tout, c'est un frère, c'est un ami. Il y a ici quand on a vu ça, c'est un mot. Donc, tout solo, là, ma ramouna Yorobot, il y a très longtemps, même si Yorobot, on s'est dit, il y a un mot. Mais, dans le CP, là, pour battre, on s'est dit, Yorobot, on va plus loin, soit bêta, on est fanatique. On a dit, pourquoi pas jouer Rwanda? Certes, il y aura de la comédie, mais avant comédie, banda, batouba n'inganata. Yorobaza, c'est un showman. Yoroboswa. Aza showman, nalingagi, après ça, moi, showana, après, tu continues à bosser. Nalingagi, ça l'a appelé, parce que, en fait, l'idée, c'était vraiment tout ça, bah, live, ma bino. Ils aiment la bonne comédie. Mais Yoroboya, y'a pas, Yoroboya, pas d'artiste complet. Bah, aucun majeur, on a fait tout le métier, n'est-ce pas? Yorobo, moi, Yorobo, d'aller. Ouais, maman, je suis Kiasuka. Et ça me fait plaisir parce que je suis pas la terre. Donc, moi je pense que il faut que rendez-vous. Il y a Anse, mon grand frère, Nabiso Fali Poupa, artiste en Boka. Nous sommes la fierté en Boka, Nabiso Congo. Donc, culture Ndambo et que Boka pour la place vous en à Bordeaux. Parce que Bordeaux et Paris, ils appellent deux logos différents. Paris et à Paris, Bordeaux et à Bordeaux. Donc, mais dans tous les deux places, on a le Congo, il y a beaucoup de Congo qui ont gagné. Donc, c'est le Congo qui gagne. Donc, tout le monde a pour moi, je suis suspendu, 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 je. Donc, ils appellent la bâton soupe, ils ont aussi la culture, ils ont aussi la culture, ils ont la culture, ils ont aussi la culture, ils ont aussi. Donc, le bâton a la capacité, la possibilité de soutenir. Il y a des personnes, artistes en Bordeaux, à Bordeaux, à Bordeaux. Au moment où ils ont aussi la culture, Paris, qui est aussi soutenir. Ils ont aussi la culture, 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 ils ont aussi la studio, ils ont aussi la clip. Donc, impossible que Nabima en dehors à part il y a Paris pour ba makambo te au monde na porte au sur la manager ça se va vanter soit ça au 12h ou il y a 12h 10 minutes à kangi téléphone donc sur au talana ne sur la 16e wana au rappelé au hôtel 280 € sur ba kangi le téléphone na Paris yo me refoute ta bilo on a une moyen donc to comme ko tambola na moi ko banga na na respect ya musalamo. Donc voilà, en tout cas, je suis en train de me faire parce que moi j'ai une grande communauté de la Côte d'Ivoire et l'Afrique de l'Ouest, donc des Sénégalais, des Maliens. Et je salue, sûrement il pouvait avoir mon ami, je peux amener mon frère Sidiki Diabaté parce que je lui ai parlé. Donc nous, le 13, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas trois. On va casser cette petite salle-là parce que ce n'est pas énorme. Hein. La prochaine fois, on va trouver un peu plus grand, mais rendez-vous là-bas, il n'y aura pas d'homme. Ok, il n'y a plus de questions.
Eh bien, je pense qu'il est important de faire un récap en ce qui concerne la carrière de Ansulo Zolo. Et en plus de 20 ans de carrière, l'artiste, son histoire, c'est le reflet d'un meilleur process. Et à plusieurs fois, il s'est reconverti. Déjà, je parlerai dans l'entre-deux-jeu, il est passé du groupe cinématographique Synarc. Et de suite après, l'artiste se reconvertit en web humoriste. Et aujourd'hui, c'est en one-man show, en tant que stand-upper. Chose qui ne sera pas facile, ça il faudrait le dire. On peut beau être meilleur acteur, mais pas être top comme one-man show. Et ça, c'est une évidence. Et pour dire qu'après que l'artiste a pris suffisamment de temps pour travailler, il a expliqué en ce qui concerne cette polémique par rapport à la date de l'artiste Fanny Poupa, lui qui va se produire aussi à Bordeaux pour le 13. Et donc l'artiste s'est préparé suffisamment. Il a beaucoup de choses à donner, beaucoup de choses à partager. Et donc nous tenons à remercier la boîte de prod WMA pour l'accompagnement, à Franco TH6, à la grande équipe basée ici sur Paris. Un grand merci aussi à la presse congolaise, à ceux qui ont accepté de répondre favorablement à son invitation aujourd'hui. Il était question de s'expliquer face à la presse. Et c'est vrai qu'il n'a pas tout dit, il y a des surprises. C'est vrai qu'on attend d'autres artistes qui sont au pays, dont on l'attend fermement. On sait que tout peut se jouer en 24 heures. Merci à Euroswag d'être là avec nous. Donc c'est vrai que ça étonnerait qu'il ne soit pas à Bordeaux, qu'il soit là. Mais comme c'est une histoire qui date, et donc il y a beaucoup de choses. Et je suis heureux moi-même de prendre part, parce que je l'ai reçu récemment sur mon plateau à Kinshasa. J'avais promis d'être là. Et quand je l'ai appelé hier en disant que j'étais sur Paris pour cet événement, et c'est comme ça que l'on peut espérer vendre autrement notre culture. C'est la grande reprise, et j'y crois fermement qu'il y a de bonnes années pour notre culture congolaise. Merci à vous, chers amis de la presse. J'aimerais donner en dernier la parole à Ansulo Zolo, qui va s'adresser à ce beau public congolais, à ceux qui sont à Paris, à ceux qui sont en Italie, soit encore en Belgique, qui voudront bien venir. Jusque-là, on a dit qu'il n'y avait pas encore les sold-out, entre autres, mais bon, James, lui, qui dit tout est carré, mais j'aimerais quand même que tu lances cet appel, et si tu vas te Kabwana, j'aimerais que tu le fasses en Lingala, c'est beaucoup plus mieux. Allez-y. Voilà, merci, Nabatoutou, au Bautar Abissou Nabandakou. Toi aussi, Manabino, j'ai appris par mon producteur, na FNAC, on est habillé, ils allaient se jeter. Na Carrefour OP je pense et à Leclerc aussi va billet ça t'es dans mon tunnel soit on a besoin de billets il faut baquer na site à Maribel donc voilà vous pouvez vous en procurer des mois de billets au Etikali et au bazar à Bandaku donc samedi c'est à partir de 20h on démarre le spectacle à 22h pile poil spectacle cible dans le spectacle la comédie est dans le rôle de musique musique au rôle de Denzebo au Zélatrapata na Seben. Mais comédie, c'est toujours important. On est bandé. Pour comment on a souka. Et j'appelle tout le monde. Tout le monde à la mission. Vous êtes à Paris, vous êtes en Allemagne, vous êtes en Hollande. Pour vous, vous êtes partout. La délégation va à Bruxelles. Il y en a partout. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, partout. Vous êtes en vraiment l'air. Je profite aussi pour saluer toute la presse, Jonathan et James de Maison WMA Production, Euroboswag. Ainsi que toutes les personnes qui sont venues me soutenir. Et je vois. Ma manager, Francine Nito, elle est là. Fiston Manissa, grand garçon, Alou Bostar, Michel Combe, merci pour les soutiens, merci pour tout. Anel Kabafossette, Yolo Concept, Yolo Concept, toujours. Moi, on a Yolo Kapé, la thème est Yolo Concept. Prince Bakali, Tressim Mbeling, pro, la même magique, et Mombele. Alors, moi, mon bel était, mais David Mombele. Donc, il y a Tabola Bambo Gagnon, sans oublier Lodi Diasuka, la mignonne. Et des 10, et sans oublier, il y a une image ainsi que tout le monde. Merci. Tout est dit. Rendez-vous le samedi 13 juillet 2024, théâtre du gymnase Maribel, pour un spectacle inédit avec l'artiste Ansulo Zolo, originaire du pays de la soif, Monsieur Grignotage, pour ce spectacle de 2 heures. Et je suis convaincu, tout comme vous, que ce moment ne sera jamais gravé, marqué dans les annales, même après une séculaire. On s'en rappellera. Le rendez-vous est pris pour le samedi 13 juillet. 2024, théâtre du gymnase Maribel avec Ansulo Zolo. Merci et bonne soirée.